retenez déjà qu'en Israël, il y avait trois grandes fêtes. En Israël, il y avait trois grandes fêtes. Avant qu'on entre dans le mystère de l'identification dédiée à l'Éternel, il y avait la fête de la Pâque. Deuxièmement, il y avait la fête de la Pentecôte. Troisièmement, il y avait la fête des tabernacles. Ce sont là les trois grandes fêtes. Je parle des trois grandes fêtes. Ce ne sont pas les seules fêtes, mais ce sont les trois grandes fêtes. Ok? Ce sont les trois grandes fêtes qui étaient célébrées à l'honneur de l'Éternel en Israël. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pâque. Dis à ton voisin, c'est le dimanche de la Pâque. Mais j'aimerais préciser ceci avant d'aller plus loin. Nota bene. Ce n'est pas Christ qui a institué la Pâque. La Pâque a commencé bien avant que Christ ne vienne sur la terre. Mais ce que Christ a institué ou a célébré, c'est la Sainte Cène. C'est comme ça que nous allons passer à la table du Seigneur ce matin. Parce qu'il ne faut pas seulement crier Pâque, Pâque, Pâque. On te pose des questions importantes, essentielles sur la Pâque, mais tu n'as pas de réponse. Je dis, Christ n'a pas institué la Pâque, parce qu'elle a existé bien avant, Exode 12, depuis Moïse. Par contre, Christ a célébré la Sainte Cène. Oh, je sens l'onction de Dieu. Jara suze kayatoba. Bariz et javi asoke. Kangre ta astova shada. Le dusus bravieteke. Mandro ke tatata. Zerki talima. Mandra gilato. Zarabileteketa. Ralusa popa. J'attendais ces mouvements des anges pour enseigner. Erokato zizakapara. Relamikatoba ratoma barate zetsu supra adadododobo shahada kerunda jize kaparato erbrize sima mambo parade shobriza via opareto stiva kirama. Ce matin, j'ai envie de faire disparaître les kystes des corps des gens. J'ai envie d'enlever les myomes des corps des gens. Ah, j'adore. Parce qu'il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité. Je disais ce matin, il y aura réellement une traversée. J'annonce, il y aura une traversée. Dieu va te prendre de là où tu es pour t'amener quelque part. Nous n'allons pas seulement parler Pâques, mais nous allons vivre la Pâque. J'ai dit, nous n'allons pas seulement parler Pâques, mais nous allons vivre la Pâque. Et l'onction qu'il faudrait pour ces cultes est déjà arrivée en ces lieux. Nous n'allons pas parler Pâques, mais nous allons réellement vivre la Pâque. Après ces cultes, tu te rendras compte qu'il y a eu une traversée. Dieu t'a pris quelque part pour t'amener quelque part. Et celui qui le croit, il peut dire très fort Alléluia plus que son voisin. Parce qu'il est ressuscité. Je ne sais pas si tu comprends cela. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Je ne sais pas si tu comprends qu'il est ressuscité. En ces jours, il y a la puissance de la résurrection. Et la puissance de la résurrection, c'est une puissance devant laquelle aucune situation ne peut résister. Christ n'a pas institué la Pâque. Par contre, Christ a célébré la Sainte Cène. La troisième chose, pour ceux qui prennent note, c'est que la Pâque est arrivée qu'une seule fois. La Pâque, elle s'est faite qu'une seule fois. J'ai dit la Pâque s'est célébrée, s'est faite qu'une seule fois. C'est dans Exode 12. Maintenant, ce que nous faisons aujourd'hui ici, on appelle ça la célébration pascale. Donc ce n'est pas aujourd'hui que la Pâque s'est produite. Mais nous faisons la célébration par Pascal. C'est pourquoi la Pâque s'applique aussi à l'ange. Exode 12. La Pâque s'applique aussi à une fête. La Pâque s'applique aussi à une célébration.
J'avance. La Pâque s'applique aussi à l'agneau. Et je termine. Et la finalité de la Pâque, c'est une personne. La finalité de la Pâque, c'est une personne que tu connais, que je connais. Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens 5, le verset 7. La finalité de la Pâque, c'est une personne. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Shadow Blaida. Christ, notre Pâque, a été immolé. Est-ce que vous avez compris cela? La Pâque peut s'appliquer à l'ange qui a travaillé dans Exode 12, à une fête, à une célébration, à un agneau, et la finalité, à une paix, personne. C'est qui? Jésus. Et c'est Christ a été immolé pour nous. Christ, notre Pâque. Je peux avancer? J'ai dit, je peux avancer. Soyez dans la joie en ces jours, mes frères. J'ai dit, soyez dans la joie. Amen. Maintenant, le mystère de l'identification. J'aimerais déjà vous dire ceci. Retenez-le avant qu'on aille plus loin. Tout ce qui concernait Christ, ok? Tout ce qui est de Christ, tout ce qui concernait Christ était pour nous. J'ai dit tout ce qui concernait Christ, tout ce qui touchait Christ, tout ce qui identifiait Christ, tout ce qui avait trait à Christ, je répète encore, c'était pour nous. Je peux même le dire au présent, c'est pour nous. Tous, je répète encore, tout ce qui concernait, tu vas comprendre ça bientôt. Tout ce qui concernait Christ, tout ce qui était de Christ, tout ce qui a été dit sur Christ, tout ce qui engageait Christ, c'était pour nous. Dis à ton voisin, c'était pour toi. Dis-lui, c'était pour toi. Dis-lui bien, c'était pour toi. Alléluia. Et quand vous avez la compréhension de cela, c'est là que vous pouvez bien comprendre le mystère de l'identification. Premier niveau, on y va. Genèse 1, 26. La Bible dit, j'ai déjà enseigné ça ici. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À notre image et selon notre ressemblance. Faisons. Dis à ton voisin, faisons. On est au premier niveau. Dis à ton voisin, premier niveau de l'identification. Faisons l'homme à notre image. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont dans leur conférence céleste. Ils décident de faire l'homme. Mais ils décident que cet homme soit à leur image et à leur ressemblance. Amen. Genèse 2, le verset 7 à 8. Genèse 2, 7 à 8. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Tu peux me donner le verset 7? La Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Dieu dit, Elohim, nous en avons déjà parlé ici. Elohim, vous vous rappelez de ça? Elohim crée. Or, Elohim, comme j'avais dit, c'est Dieu au pluriel. Dieu Fils, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. Mais au moment de créer, la Bible dit il le créa à son image. Et nous avions compris avec vous que cette image-là, selon Romains 8, 29, vous vous rappelez? Selon Romains 8, 29, nous avions compris que l'image à laquelle toi et moi avions été créés n'était pas l'image de Dieu le Père, n'était pas l'image de Dieu Esprit, mais c'était l'image de Dieu Fils. Alléluia. Dis à ton voisin, l'identification commence là-bas.
Nous avons été créés à l'image de Dieu le Fils. Dis à ton voisin, l'identification commence là-bas. À ce niveau-là déjà, l'identification fait quoi? Commence. Parce que nous avons été créés à son image. L'image que nous avons, c'est l'image de Dieu le Fils. C'est comme ça que vous vous rendrez compte, remarquez. Les mêmes tentations auxquelles le premier Adam a été soumis, les mêmes tentations, Christ a été aussi soumis aux tentations. Alléluia. Le premier Adam est tenté par le diable, par le serpent. Lui qui a été créé à l'image, il est tenté. La même chose aussi, quand Christ vient, cette image par excellence, par laquelle nous avons été créés, lui aussi étant, est tenté. Seulement la différence, lui il est tenté, mais il ne succombe pas à la tentation. Tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? J'aimerais te dire ceci. Tel que tu es là, au-delà du corps que nous voyons, il y a une image que tu imprimes. Et il est temps que tu rattrapes et que tu manifestes cette image. Ou encore, en ces cultes de Pâques, Dieu va faire que l'image qui est en toi là, que tu la rattrapes et que tu la manifestes désormais. De sorte que lorsqu'on te voit, on voit celui à l'image de laquelle tu as été créé. Je parle à quelqu'un ce matin. Le mystère de l'identification, ça commençait déjà là-bas. Dieu décide que l'homme soit fait, mais qu'il ne soit pas fait à n'importe quelle image. Dieu décide que l'homme soit à l'image d'une personne de la Trinité, l'image du Fils. De sorte que lorsqu'on te voit, qu'on voie le Fils. Dis à ton voisin, le plan de Dieu, c'est quand on te voit, qu'on voie son Fils. Parle-le bien parce que bientôt tu vas entrer dans cette grâce. Dis-lui, le plan de Dieu, c'est que quand on te voit, qu'on voie son Fils. Alléluia. Je ne suis qu'au premier niveau. Qui a compris cela? Avançons maintenant. 2 Corinthiens 5, 21. Tel que je suis là, j'ai été créé à l'image de Dieu. Et cette image-là, c'est Dieu le Fils. Et dans ça déjà, l'identification a commencé. 2 Corinthiens 5, 21. Prenons ça aussi pour être aussi dans la pensée de la Pâque. La Bible dit, c'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On parle ici de qui? De Christ. Dis à ton voisin l'identification. L'homme a péché dans les jardins d'Éden, Genèse 3. L'homme a péché. Or, Dieu n'avait pas créé l'homme pour ces choses-là. Dieu avait créé l'homme pour autre chose. L'homme a péché. Maintenant, il faut réparer cela avec Dieu. Il faut réconcilier l'homme avec Dieu. L'Église m'entend. Je sais là où je vous amène, suivez seulement. Il faut réconcilier l'homme avec son Créateur. Celui dont je parle ici, c'est lui qui était mort, qui est ressuscité, Jésus de Nazareth. Il vient, il prend la place de l'homme. Parce que la Bible dit que Christ a eu le corps, mais il n'a jamais péché dans ses corps. C'est ce que la Bible dit. Il a eu le corps, mais il n'a jamais péché dans ses corps. Mais maintenant, il accepte de prendre, suivez bien Église, il accepte parce qu'il doit s'identifier à toi. Il accepte de prendre ta place de péché ou de pécheur à la croix. Pendant qu'il était à la croix là, ce n'était pas seulement lui, mais c'était toi. J'ai dit pendant qu'il était à la croix, ce n'était pas seulement lui, c'était toi. J'ai dit pendant qu'il était à la croix, ce n'était pas seulement lui, c'était tes péchés. Il a porté cela parce qu'il devait s'identifier à toi afin de te réconcilier avec ton Créateur. L'Église est là ce matin.
Il a pris ta place pour te réconcilier avec ton Créateur. C'est ainsi maintenant, vous verrez à la croix. Lorsque Christ s'identifie à nous comme pécheurs, à nos péchés, à ce moment-là, Jésus sent la séparation entre lui et son Père. C'est là où maintenant Jésus dit, mon Père, mon Dieu, mon Dieu. Jésus ne dit pas mon Père, mon Père. Remarquez que du vivant de Jésus, plusieurs fois, il a dit, moi et mon Père, nous sommes ceci. Mon Père et moi, parce que là, c'était le Fils de Dieu qui ne s'était pas encore identifié au péché. Ainsi, sa relation avec son Père était une relation correcte. Maintenant, à la croix, il s'identifie à toi, à moi qui avions péché. C'est le fait maintenant qu'il porte notre identité de pécheur. Parce que le péché coupe la relation avec Dieu. Le péché coupe la communion avec Dieu. Le fait qu'il prenne notre place de pécheur, il y a une rupture dans sa relation avec le Père. C'est là où maintenant il n'écrit pas mon Père, parce qu'il y a une rupture. Il dit maintenant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'église est avec moi. En ce moment-là, il a pris ta place à la croix. Jésus est apaka. J'ai dit, en ce moment-là, il a pris ta place à la croix. Il s'est identifié à toi, pécheur, afin de mourir pour toi, de porter tes péchés, de s'identifier à tes péchés pour que toi, tu sois réconcilié avec le Père. C'est comme ça que Christ est venu aussi pour établir le ministère de la réconciliation. Je parle à l'église ce matin? Est-ce que je parle à l'église ce matin? Avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que vous allez vous poser la question, mais pourquoi Jésus a crié, mon Dieu, en ce moment-là, il a senti qu'il y a une cassure, il y a une coupure, parce qu'à la croix, j'insiste encore, à la croix, il a pris notre place des pécheurs. Mais je vais aller plus loin pour vous dire, à la croix, Jésus n'a pas seulement porté le péché. Aïe. À la croix, il n'a pas seulement porté le péché. Ça veut dire, à la croix, il ne s'est pas seulement identifié à tes péchés. Pour te réconcilier avec le Père. À la croix, il a fait bien plus que ça encore. Ésaïe 53, donnez-moi le verset 4. Il a fait bien plus que ça. Dis à ton voisin, il a fait bien plus que ça. Les mystères de l'identification. C'est pourquoi, ne me regarde pas, mais regarde Jésus. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oh, je parle à quelqu'un qui est... Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Aïe, 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 aïe. J'ai dit à quelqu'un, je suis venu avec une bonne nouvelle. À la croix, Jésus n'a pas seulement porté tes péchés, mais Jésus a aussi porté tes souffrances. Il a aussi porté tes maladies. Il a aussi porté tes... Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il a aussi porté tes douleurs. Il a porté ton célibat. Il a porté ton chômage. Il a porté ta dimension de locataire actuel. Ta dimension de piéton actuel. À la croix, Jésus a porté aussi cela. Pourquoi il devait s'identifier à ta souffrance? Il devait s'identifier à tes douleurs. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a tout fait pour toi. J'ai dit, Jésus a tout fait pour toi. Et tout ce qui concernait Jésus, c'était pour nous. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs. Je ne sais pas si quelqu'un est dans la souffrance ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un est dans la douleur ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un est malade ce matin. J'aimerais te dire, à la croix, il ne s'est pas seulement identifié à l'homme qui a péché, au péché de l'homme. Mais à la croix, il s'est aussi identifié à nos souffrances. Et j'aime, la Bible parle des souffrances au pluriel. Il s'est identifié à nos douleurs. J'aime, la Bible parle des douleurs au pluriel. Il s'est identifié à nos maladies. J'aime, la Bible parle des guérisons au pluriel. C'est comme ça que je suis en train de dire à quelqu'un, la Pâque veut dire passer outre. La Pâque veut dire quitter d'un point à un autre. Je suis en train de dire à quelqu'un, certainement pour quelqu'un ici, le jour de la fin de sa souffrance est aujourd'hui. Les jours de la fin de sa maladie, c'est aujourd'hui. Les jours de la fin de sa douleur, c'est aujourd'hui. Seulement
le péché, les souffrances, les douleurs et même les maladies. Et si c'est ton jour, tu dis amen. Non, 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 tu n'es pas encore arrivé. Si c'est ton jour, tu dis amen. Écoutez, église, les jours où Dieu change la vie d'un homme commencent toujours comme ça. Mais cependant, c'est le jour où Dieu avait un rendez-vous avec toi. Et j'aimerais te faire comprendre que si tu regardes à la croix, tu verras que cette croix-là, elle est vide. Elle est vide, elle est vide, elle est vide. Comme pour dire, quelqu'un était là-bas, mais il n'est plus là-bas. Et s'il n'est plus là-bas, c'est parce qu'il a accompli convenablement la mission. Et la Bible dit, à la croix, il n'a pas seulement porté nos péchés. Il a aussi porté quoi? Nos souffrances, nos douleurs. J'ai dit, je t'informe, à la croix, Jésus avait porté aussi ton chômage là. Jésus avait porté aussi, tu vois comme tu es encore locataire, Jésus avait aussi porté ça. Tu vois comme tu es malade, où on te dit que non, attention, il y a comme une maladie qui va t'attaquer dans les jours qui viennent. À la croix, Jésus avait aussi porté cela. C'est comme ça, j'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, quand on te donne une information négative, prends cette information, amène-la au bas de la croix. Prends cette information et puis regarde à la croix. J'ai dit prends l'information, regarde à la croix. Je parle à quelqu'un, prends l'information, regarde à la croix. Prends les célibats, prends la maladie, regarde à la croix. Tu verras qu'à la croix là, Jésus avait porté et le péché, et les souffrances, et les douleurs, et les maladies. Il s'était chargé de cela pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce que Jésus devait s'identifier à toi. J'ai dit, est-ce que vous savez, même si je ne parle pas beaucoup, même si je n'insiste pas sur ça, même si je ne crie pas trop, vous savez que rien qu'à cause de la croix, aujourd'hui peut être le jour de la fin de ta souffrance, le jour de la fin de tes douleurs, le jour de la fin de tes précarités. Aujourd'hui peut être le jour de ta visitation. Pourquoi? J'annonce prophétiquement, pendant que je suis ici, j'ai vu un travail venir. Il y a quelqu'un ici. J'ai vu un travail venir. Il y a quelqu'un ici. À cause de la Pâque, la saison du chômage vient de s'arrêter dans ta vie. Et le Dieu que nous servons ici va te donner du travail au nom de Jésus. Tu te souviendras de cela, que l'homme de Dieu a vu le travail venir. Et j'ai scellé cela. À cette réunion de Pâques là, Dieu m'a pris du chômage, il m'a amené au travail. Parce que à la croix, il a porté aussi ton célibat, il a porté ton chômage, il a porté ta pauvreté, il a porté toutes ces choses, mes frères. Parce que il devait s'identifier à toi. Il est temps que tu marches tête haute. Je répète encore, il est temps que tu marches tête haute. Parce qu'à la croix là-bas, il avait porté non seulement le péché, les douleurs, les souffrances, les maladies. C'est pourquoi la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris de quoi? De toute maladie. J'ai dit, il a porté. J'aimerais que vous puissiez me répondre. Vous attendez une deuxième œuvre de la croix? Église, répondez-moi. Vous attendez qu'on crucifie encore Jésus? Maintenant, pourquoi vous n'attendez plus cela? Parce que vous savez que ce qu'il avait fait là a suffi. Parce que vous savez que ce qu'il avait fait là a fait quoi? A suffi. Et j'aimerais vous dire que là, il a porté non seulement le péché, il a porté aussi quoi? Les souffrances. Il a porté aussi quoi? Les douleurs. Il a porté aussi quoi? Les maladies. Soit quand une maladie vient dans ta direction, quand une douleur vient dans ta direction, quand une souffrance vient dans ta direction, présente à cette souffrance l'œuvre de la croix. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai dit, quand une maladie vient vers toi, quand une souffrance vient vers toi, même quand tu fais un cauchemar sur ton mari, sur tes enfants, sur ton travail, lève-toi, dis au diable, Satan, j'ai vu la maladie que tu veux envoyer, j'ai vu la mort que tu veux introduire, mais je viens vers toi avec la croix de Jésus. Je te présente 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 la croix de Jésus. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici ce matin. Parce que là, il a porté nos péchés, nos douleurs, nos infirmités, les châtiments qui devaient reposer sur nous. Il a porté cela. Où c'est? Alors quoi? Qui a compris? Avant que je n'aille plus loin, qui a compris? Avant que je n'aille plus loin, qui a compris? Qui a compris? Qui est fier d'être chrétien ici?
qui est fier d'être chrétien ici? À la croix, il n'a pas seulement porté nos péchés pour s'identifier à l'homme qui avait péché, mais à la croix, il a aussi porté nos souffrances. Ésaïe 53 le dit. Il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies, il a porté nos douleurs. C'est pourquoi ce matin, prends toutes tes souffrances, laisse-les au bas de la croix. Prends tes questionnements, laisse-les au bas de la croix. Je suis sûr et convaincu que tu ne retourneras pas avec cela. Ça restera au bas de la croix parce que là, il y a la solution à toutes choses. Dis à ton voisin, Jésus est bon pour toi. Alléluia. Alléluia. Avançons. Oh, château Bakata. Romains 6, 3 à 6. Un autre niveau dans l'identification. Ah, La Bible dit, ignorez-vous que nous sommes tous, l'apôtre Paul. La Bible dit, ignorez-vous que nous tous, dis à ton voisin, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Lisons d'abord. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à quoi? À sa résurrection. J'ai dit, en ce jour ici, soyez dans la joie. Si tu n'es pas dans la joie, tu es suspect. J'ai dit, si tu n'es pas dans la joie, tu es suspect. Sachant que notre vieil homme a été... Oh mon Dieu. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce passage veut dire ceci, écoutez-moi. Toujours dans l'identification, ce passage veut dire qu'à chaque étape de l'œuvre du rachat de Christ, nous étions là. Ah, Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Ce passage veut dire, à Blavie, ma fille, qu'à chaque étape de l'œuvre de rachat de Christ, nous étions là. C'est ça l'identification. Nous étions en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Jésus mourait, tu étais en lui. Mais c'est ce que la Bible dit. Nous avons été baptisés en Christ par sa mort. Quand il mourait, tu étais en lui. Quand on était en train de le fouetter, de tabasser, de le couronner d'épines, tout ça, j'aimerais dire encore à quelqu'un, tu étais où? Tu étais en lui. Quand il ressuscite encore, je t'informe que tu étais en lui. Reviens au verset 5. C'est pourquoi la Bible dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à quoi? À sa résurrection. Quand Jésus mourait, tu étais en lui. Quand il a ressuscité, j'insiste encore, tu étais en lui. Parce que c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous qui devait mourir. Nous étions en lui. C'était pour nous que toutes ces choses arrivent. Tu n'es pas n'importe qui. Pendant que Christ mourait, tu étais en lui. Pendant qu'il ressuscitait, tu étais en lui. Éphésiens 2, 6. Tu entends cela? Quand il est mort, tu étais en lui. Quand il a ressuscité, tu étais où? En lui. La conformité à sa mort et à sa résurrection. La Bible dit, regardez, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Quand il a ressuscité, tu étais aussi en lui. Est-ce qu'on peut lire?
La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Le problème avec les chrétiens, c'est quoi? Nous nous ignorons. J'ai dit nous nous ignorons. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. Donc quand Jésus ressuscité, nous étions en lui, ressuscitant au même moment avec lui. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc comme tu es là, au-delà d'être sur la terre, je t'informe, tu es encore dans les lieux célestes. Au-delà d'être sur la terre, tu es aussi dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Dis à ton voisin, quand il mourait, tu étais là. Quand il a ressuscité, tu étais là. Dans les lieux célestes, là, tu y es aussi. Dis-lui ça. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes? Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes? Donnez-moi maintenant Éphésiens 20. Vous allez maintenant voir ce qui se passe dans les lieux célestes, là où nous sommes avec lui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Éphésiens 1, 20. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Le verset 21. J'aime ça. J'aime ça. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Oh, le mystère de l'identification est extraordinaire. Mon frère, et moi et toi, nous sommes avec lui dans les lieux célestes. Mais non seulement nous sommes dans les lieux célestes, là dans les lieux célestes, nous sommes établis au-dessus des dominations. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Des dominations, des principautés, des autres. Ah. J'ai dit, moi et toi, nous sommes établis au-dessus des dominations, des principautés. Pourquoi? Parce que c'est l'identification. Parce que nous sommes en lui. Et lui est établi au-dessus des autorités. Nous sommes là. Quelle puissance peut te faire du mal? J'ai dit, quelle puissance peut te faire du mal? Je suis venu en ce dimanche pour te dire, s'il y a quelqu'un plus puissant dans ta famille, c'est toi. Ton amen est tellement faible. Ton amen est tellement faible. Cette parole, si elle est à toi, tu dis amen comme il faut réellement. Je disais, s'il y a quelqu'un qui est plus fort dans ta famille, c'est toi. Ce n'est pas cet oncle-là sorcier. Ce n'est pas cette tante sorcière-là. Ce n'est pas ces grands-pères sorciers-là. Même s'il a bouffé plusieurs personnes de ta famille, toi tu es plus fort que lui. Parce que tu es dans les lieux célestes en Christ Jésus. Au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans les temps présents comme dans les temps à venir. Toi tu es établi au-dessus de cela. Alléluia. Donc tel que Christ est au-dessus, c'est tel que nous aussi nous sommes au-dessus. De quoi? Des autorités, des dominations, des principautés, de la rose croix, de la franc-maçonnerie, des New Age, de la foi Bahaï Bahoula, de toutes ces choses, de la maïkari, de la sorcellerie. Nous, nous sommes au-dessus, mes frères. Ah, j'ai dit, nous, nous sommes au-dessus, mes frères. Je répète encore, nous, nous sommes au-dessus, mes frères. J'aimerais vous informer que vous appartenez à une loge la plus élevée. Je dis, nous appartenons à une loge la plus élevée, à une loge la plus extraordinaire, à une loge la plus puissante.
le chef de cette loge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu la mort, il a vaincu les dominations, il a vaincu les autorités. Et nous sommes en lui, assis à la droite du Dieu le Père, dans les lieux célestes, au-dessus de la sorcellerie, de la magie. Je viens prophétiser sur quelqu'un. À partir de maintenant, le monde verra ton triomphe sur la magie. Le monde verra ton triomphe sur la sorcellerie. Le monde verra ton triomphe sur les esprits des familles. Si c'est ta parole, crie Alléluia. Si c'est ta parole, crie Alléluia. Shedabu keli katege sagama. Ereko kizike parakota keba. Mandratu shika parako. L'Esprit de Dieu me dit de dire. Maintenant, parce que je suis dans les lieux célestes, en Christ Jésus, je commande à tout esprit impur qui venait dans ta direction. Je commande à tout esprit impur qui venait dans ta direction de retourner vers l'expéditeur. De retourner vers l'expéditeur. De retourner vers l'expéditeur. Au nom de... Nous sommes dans les lieux célestes, mes frères. Au-dessus des sorciers, au-dessus de la magie, qui peut te manger? Qui peut te bouffer? Qui peut t'atteindre? Je dis à quelqu'un, même si tu sais que ton père est un occultiste, que ton mari est un occultiste, que tes grands-pères sont des sorciers, ils ont été des chefs coutumiers, n'aie pas peur, parce que toi tu es en Christ Jésus. Et Christ est assis à la droite du Dieu le Père, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents comme dans les siècles à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Christ, et moi et toi, nous sommes plus que vainqueurs. Et toutes ces choses, Dieu l'a fait avec Christ parce qu'il devait s'imager à toi. Parce qu'il devait s'imager à toi. Parce que ça devait, en fait, ce que Christ est devait être ce que toi aussi tu es. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que Christ est doit être ce que toi tu sois. Ce que Christ est doit être ce que tu dois être. Ce que Christ peut faire doit être ce que tu es capable de faire. Parce que le mystère de l'identification se concrétise dans cette parole. 1 Jean 4, 17. La Bible dit tel qu'il est. La Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça veut dire en te regardant que le monde voit Jésus. J'ai dit en te regardant que le monde voit Jésus. Laisse-moi prophétiser sur toi qui est venu avec un cœur pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. À partir d'aujourd'hui, quand ton chef va te voir, qu'il voit Jésus. Quand tes parents vont te voir, qu'ils voient Jésus. Quand tes cousins, tes cousines vont te voir, qu'ils voient Jésus. Quand même les membres de cette église vont te voir, désormais qu'ils voient Jésus. Je dis désormais qu'ils voient Jésus. Que ton chef voie Jésus. Si c'est ta parole, tu cries, je reçois. Qu'ils voient Jésus. Tel qu'il est. Tel nous sommes dans ce monde. Mes frères, nous sommes, je suis, vous voyez comme nous sommes avec vous. C'est pourquoi je vous avais dit une fois ici que la nouvelle naissance, elle nous donne de naviguer dans des mondes. En même temps, nous sommes dans les lieux célestes. En même temps, nous sommes sur la terre. C'est pourquoi, écoutez, être né de nouveau, hein? Être né de nouveau est une activité spirituelle, mais qui a des retombées dans les physiques. C'est une activité spirituelle. C'est quelque chose de spirituel, mais qui a ses évidences dans les physiques, dans les terrestres. Mes frères, que ça bouillonne en toi. Il est temps que lorsqu'on te regarde, qu'on voit qui? Quand tu parles, qu'on sente que c'est qui parle. Quand tu pries pour les malades, concentre que c'est qui prie pour les malades. J'aimerais vous poser la question. Si ce que je vais dire est oui, vous allez dire oui. Si c'est non, vous allez dire non. Vous imaginez Jésus sur un lit d'hôpital.
Répondez-moi. Je parle du mystère de l'identification. Vous vous imaginez Jésus sur un lit d'hôpital? Vous vous imaginez Jésus piéton? Vous vous imaginez Jésus avec une voiture, mais il manque l'argent pour mettre les carburants? Il y en a qui disent non, il y en a qui ne disent pas. C'est comme si vous qui ne dites pas, vous vous dites que Jésus pouvait aussi se retrouver dedans. Je reprends ma formulation. Répondez Église. Parce que tel qu'il est, vous vous imaginez Jésus malade, à maman est morte. Les infirmiers les piquent à gauche, à droite. Vous vous imaginez Jésus quand il dort la nuit, on l'étrangle. Hein? Vous vous imaginez Jésus bloqué par les esprits de Jérusalem. Vous vous imaginez Jésus allant à l'école et puis il échoue. Vous imaginez ça. Vous vous imaginez Jésus avec une maladie incurable dans son cœur. Oh, estomac, kyste, myome. Vous vous imaginez Jésus avec ça. Alors, si cela ne peut pas se retrouver en Christ, ça veut dire que ça ne doit pas aussi se retrouver en vous. Tu n'as pas compris. J'ai dit, si ça ne peut pas se retrouver en Christ, ça veut dire que ça ne doit pas aussi se retrouver en toi. Parce que tel qu'il est, tel nous sommes. Qui a compris? Qui a compris? Je suis venu révolutionner quelqu'un, c'est le dimanche de la Pâque. Tel qu'il est, tel nous. Vous vous imaginez Jésus avec un téléphone et puis il manque d'unité. Manquer les unités en un jour, peut-être encore on peut comprendre, deux jours. Je vous dis tant. Rappelle-moi vite, hein. Je n'ai qu'une minute. Je suis venu dire à quelqu'un, la Pâque veut dire passer outre. C'est dans des cultes comme ça que Dieu peut te prendre de là où tu es là pour t'introduire là où tu n'as jamais pensé que tu pouvais entrer. Tu as bien fait de dire Amen et tu as bien fait d'acclamer. Je suis venu pour celui qui a besoin d'un changement dans sa vie. Je suis venu pour quelqu'un qui réalise que non, dans ces dimanches de la Pâque, que Dieu fasse quelque chose pour moi. C'est pour ces gens que je suis venu. Nous sommes avec vous, où c'est? Dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? Des autorités. Non, la Bible dit de toute domination, de toute autorité, de toute tête, nous sommes au-dessus de toutes ces choses. C'est comme ça. S'il y a quelqu'un qui doit mettre mal à l'aise les autres, c'est tout. S'il y a quelqu'un, quand il arrive quelque part, tout le monde devient mal à l'aise, c'est qui? C'est toi. Donc, dès que tu arrives comme ça, les sorciers de votre famille inclinent sa tête. Parce qu'il s'est dit, ah, aïe, le sous nabilo qu'on aille en Zambéwan. S'il y a quelqu'un, quand tu arrives, ton chef qui est occultiste doit se prosterner. C'est qui? C'est toi. Parce que, et moi et toi. En fait, Église, soyez juste illuminés sur ces vérités. Et ça va vous épargner de beaucoup de choses. Nous sommes dans les lieux au-dessus de toute domination, toute autorité. Et tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents comme dans les siècles à venir. Parce que Dieu savait que les Baals vont exister, les Astartés vont exister, la Maïkari va exister. Tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Dis-lui encore très bien, tu es au-dessus. Dis-lui encore très bien, tu es au-dessus. Vous vous imaginez Jésus avoir une maladie incurable? Oh, répondez-moi, une maladie incurable? Vous vous imaginez Jésus avec une malformation physique? Jamais. Vous vous imaginez Jésus faire l'AVC? Tension monte, tension descend. Alors, si ça ne peut pas arriver à Jésus, dans l'identification, ça ne doit pas t'arriver aussi. C'est toi. Écoute, c'est toi qui dois comprendre cela. Écoutez-moi, je vais dire ceci. Un homme qui a compris son identification à Christ, il devient un signe pour sa génération. Tu deviens un signe.
Les gens ne vont plus comprendre comment tu fonctionnes, comment tu fais, comment chez toi ça va toujours, comment. Les gens ne vont pas comprendre comment tu t'es marié, comment tu t'habilles, comment tu fais pour vivre, comment tu fais, comment. Parce que tu as compris que Jésus à ma place, il ne manquerait pas ça. Alors s'il ne pouvait pas manquer, moi aussi, parce que je suis créé à son image et tout ce qu'il a fait c'est pour moi, je dois le représenter valablement. Tel qu'il est, tel nous sommes. Mes frères, il y a des endroits où, quand Jésus arrive comme ça, sans parler, les démons commencent à s'agiter. Même. Qu'y a-t-il entre nous? Qu'y a-t-il entre toi et nous-mêmes? Les démons supplient Jésus. Ils lui disent, jette-nous même dans les animaux. Jette-nous, pardon, jette-nous. Tel qu'il est, regarde ton voisin. Il faut que tu sois comme Jésus. Dis-lui, c'est ça, c'est ce que je suis venu te dire. Dis-lui, il faut que tu sois comme Jésus. Dis-lui encore bien, il faut que tu sois comme Jésus. Tel qu'il est, tel nous. Maintenant, la voie d'entrée de l'identification, c'est juste une seule fois. C'est la nouvelle naissance. L'esprit, la voie d'entrée de l'identification, c'est le salut, la nouvelle naissance. Nous sommes dans un dimanche de pain. C'est le salut. Donnez-moi Jean 10. Je veux vous faire voir quelque chose. Suivez très bien. Jean 10, 30 à 33. La voie d'entrée, c'est quoi? C'est le salut. Tout ce que j'ai dit ici, si tu n'es pas né de nouveau, ce n'est pas ta part. Tu dois naître de nouveau pour que ça devienne ta part. Et si tu es déjà né de nouveau, fâche-toi. Fâche-toi pour que ceci devienne ta vie. Regardez, Jean 10, le verset 30 à 33. Et puis je vais vous donner un autre passage. La Bible dit, hey. Regarde ce que la Bible dit. Ça, c'est extraordinaire. La Bible dit, moi et nous sommes, suivez très bien, Jésus et le Père, ils sont. Jésus et le Père, ils sont même nature. Ça veut dire la même vie qui coule en Dieu le Père. Elle coule. Moi, suivez très bien. Moi et le Père, nous sommes. La même vie qui coule en Dieu, elle coule aussi en Christ. C'est pourquoi il peut dire que moi et le Père, nous sommes un. Ok. Le verset qui suit. Vous allez comprendre. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de qui? De mon Père. Pourquoi? Pour laquelle? Mais lapidez-vous. 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Même Christ devait s'identifier au Père. C'est pourquoi nous identifions à Christ. Mais Christ et le Père, ils sont. Ok. Jean 17. Christ et le Père sont un. Jean 17, dans le verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. La suite. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Le verset 20. Ce n'est pas pour eux que seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. La suite. Ah, oh my God. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient
un en nous. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Afin que toi et moi, nous soyons un. Hein? En qui? En eux. Elle a qui? Dieu le Père et Dieu le Fils, parce que Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Regardez, Dieu le Père, Dieu le Fils, le peuple. Dieu le Père, Dieu le Fils, ils sont. Jésus prie aussi pour que vous, vous soyez un. Pour qu'en étant un, vous soyez en eux. Maintenant, par l'identification en Christ, comme Christ porte la vie de Dieu, la même vie qui fait que Dieu soit Dieu, pendant que vous êtes en eux, la même nature de Dieu là, elle devient aussi votre nature. Ah. La même nature de Dieu, elle vient devient votre nature via l'identification à qui? À Christ. Parce qu'il dit, moi et le Père, nous sommes un. Dis-lui encore bien, tu n'es pas n'importe qui. Dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. Non, les choses qui font que Dieu soit Dieu, via l'identification par Christ, deviennent notre aussi. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Dis encore à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Ah, dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. Dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. Dis-lui encore, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Mais je prie qu'il soit un. Pour qu'il soit en nous. Comme moi et toi, nous sommes un. Du coup, ce qui coule en Dieu va commencer à couler en nous. Parce que nous sommes en eux via Christ par l'identification. Parce que Christ lui-même, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Quand vous me voyez, vous voyez le Père. J'ai dit encore, tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelque part où pour qu'on t'atteigne, c'est très difficile. Pour qu'on atteigne ton mariage, tes enfants, ton travail, ton avenir, c'est trop difficile. Et la conclusion sur l'identification, c'est Proverbe 82, verset 5 à 7. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis que tu es en Christ, la vie qui coule en toi, c'est la vie qui coule dans le Père. C'est pourquoi Christ s'est identifié au Père. Parce que étant en eux, pour que nous puissions recevoir cette vie, cette nature-là. La Bible dit, Proverbe 82, 5. Voisin. Dis d'abord à ton voisin avant qu'on finisse. Dis-lui, sois comme Jésus. Ah, dis-lui encore bien, sois comme Jésus. Ah, dis-lui, fonctionne comme Jésus. La Bible dit quoi? Le verset. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Ici, Dieu, attends. Dieu est en train de faire allusion aux chrétiens. Ça veut dire qu'il manque la prise de conscience. Vous voyez, tout ce que je vous dis ici, ce sont des vérités attachées à nous. Mais pourquoi nous ne les vivons pas? Parce que nous manquons la prise de conscience. Nous manquons la compréhension de ces vérités. Parce que c'est ça ce qui s'attache à nous. La Bible dit quoi à la suite?
Et prenez ça cette fois. Lisez. Une, deux, trois. Deuxième fois. Encore. Attends. Maintenant, change. Je dis, Dieu a dit. Je suis un Dieu. La dernière fois, Dieu a dit, je suis un Dieu et je suis le fils du Très-Haut. Oh, j'aimerais te dire ce matin, je suis dans la joie de t'annoncer que tu es un Dieu. Écoute, que le monde veuille ou pas, que les gens croient ou pas, que certains trouvent ça comme un blasphème, j'aimerais te dire que tu es un Dieu. Parce qu'un fils de Dieu peut être un Dieu. C'est ça l'identification. Si je suis fils de Dieu, je ne peux qu'être un Dieu. À ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Si tu es enfant de Dieu, tu es qui? Je répète, si tu es enfant de Dieu, tu es qui? Parce que Dieu ne peut jamais donner au monde autre chose. Si tu es enfant de Dieu, tu es qui? Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je répète encore, tu es Dieu. J'insiste encore, tu es un Dieu. Alléluia. Tu es un Dieu. Dis à ton voisin, tu es un Dieu. Dis-lui, tu es un Dieu. C'est ça le mystère de l'identification. C'est que quand on voit Christ, on te voit. Et Christ est Dieu. Toi aussi, tu es qui? Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu as peur. J'ai dit, tu es Dieu. Je répète encore, tu es Dieu. Tu es Dieu avec deux minuscules. Tu crois que j'allais dire Dieu majuscule? Non. Tu es Dieu avec deux minuscules. Je répète maintenant, tu es un Dieu. En fait, ces choses sont déjà écrites. Il faut juste une prise de conscience et la compréhension. Et ça active. Et quand tu es un Dieu, tu vas mener une vie différente des autres. Quand tu es un Dieu, tu marcheras dans les signes, dans les prodiges, dans les miracles. N'est-ce pas? Parce qu'au fait, la compréhension de notre identité ou de notre identification à Christ, elle fait de nous une fontaine de signes et de prodiges. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Pourquoi je crois que Dieu peut tout faire? Parce que j'ai foi en Dieu, mais j'ai foi en mon identité. Je sais que je suis un petit Dieu. Dis à ton voisin, tu es un Dieu. Dis-lui, tu es un Dieu. Dis-lui, tu es un Dieu. Et même Jésus, en mourant à la croix, il est mort parce qu'il devait rétablir l'homme dans la position première, dans l'identité première, dans la vie première. Et la vie première que l'homme menait, c'était la vie d'un Dieu. Parce que dans cette vie, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de sécheresse. Il n'y avait pas... J'ai dit, dans cette vie-là, il n'y avait pas tout ça. J'ai aimé ce qu'un jour mon fils Évariste a dit. Ils étaient nus pendant longtemps, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. C'est seulement quand ils ont péché qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Voilà. Donc, ils étaient tellement dans les sphères élevées qu'ils ne pouvaient pas se rendre compte qu'ils avaient le corps humain. J'ai dit à quelqu'un, tu es un Dieu. Si tu es en Christ... Si tu es en Christ, parce que Christ a tout accompli à la croix, il est venu pour te rétablir dans l'identité première, dans la vie première, dans les cycles de vie premiers. Et là, l'homme était un petit Dieu. Compris? Dis à ton voisin, tu es un Dieu. Dis-lui, je ne savais pas, tu es un Dieu. Ah, dis-le-lui encore, je ne savais pas, tu es un Dieu. Écoute, s'il doute, convainc-le. Dis-lui, je ne savais pas, tu es un Dieu. Alors, si tu es un Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Ou encore, il y a des choses qui ne t'arriveront plus. J'aimerais que ce matin, que tu te décides, que tu dises, si j'étais à la place de Jésus, il ne manquerait pas l'argent comme je manque. Il ne mènerait pas cette vie médiocre dans laquelle je suis. Il ne subirait pas comme je suis en train de subir.
Ils ne vivraient pas des choses comme moi je suis en train de les vivre. Pourquoi? Parce que quand je vois Christ, ce qu'il est, c'est ce qu'en réalité ma vie doit être. Je parle à des dieux ici. Je parle à des dieux ici. Avant que plusieurs... Ça, c'est la révélation de l'Église du temps de la fin. C'est ce que je vous dis ici. Avant que plusieurs chrétiens ne réalisent qu'ils sont chrétiens, et qu'ils sont des dieux, avant que plusieurs n'acceptent ça, toi, accepte déjà. Parce que la révélation donne toujours la vitesse d'avance. Toi, accepte déjà cela. Tu es un dieu. Ce n'est pas ce corps ici qui me fait comprendre ce que tu es. Non, tu es un dieu. Parce qu'un fils de Dieu peut être un dieu. Et ça, c'est le plus grand secret dans le mystère de l'identification.